combattants. Avoir des contacts qui permettent d'améliorer le travail de la Cour constitutionnelle du Mali, voilà l'objectif de la visite du président de l'institution, Manassa Danioko, à Paris. Elle est venue à la rencontre des experts du droit public. Compte rendu, Makamfi Konaté. C'est au siège de l'Académie d'Outre-mer que le président de la Cour constitutionnelle a été reçu. Manassa Danioko est venu à la rencontre du professeur Jean Dubois de Gaudisson, professeur émérite de droit public, président honoraire de l'Université Montesquieu à Bordeaux, ancien président de l'Agence universitaire de la francophonie. Les deux personnalités ont parlé de droit et de droit constitutionnel surtout. Pour Manassa Danioko, il s'agit de retourner à l'école afin de mieux servir le Mali et les Maliens. C'est d'ouvrir des portes à la Cour constitutionnelle du Mali, d'avoir des contacts qui nous permettent d'améliorer. Le principe chez nous en ce moment, et qui est accepté même dans notre milieu, Bambara, on dit on apprend jusqu'à son dernier jour. Le professeur Jean Dubois de Gaudisson connaît très bien la constitution malienne pour avoir participé à son élaboration. Il s'est volontiers prêté à l'interrogatoire que lui a fait subir son illustre hôte. Un exercice qu'il a d'ailleurs hautement apprécié. Nous avons réfléchi précisément sur toutes ces évolutions qui existent dans le monde et au Mali, et toujours dans la perspective de faire de telle sorte, si vous voulez, que les constitutions soient mieux comprises par les gouvernants et par les gouvernés. La problématique n'est pas nécessairement la même, ce qui suppose une réflexion pas simplement théorique, mais une réflexion à partir de cas concrets, pragmatiques. Et là, c'est un travail, si vous voulez, qui porte sur la durée. L'expérience est le bâton de l'aveugle, dit-on. En revenant consulter ses éminences du droit public, Manassa Danioko veut ainsi solidifier son bâton afin d'éclairer les Maliens sur le rôle et la mission d'une cour constitutionnelle. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali, Mahamadou Diarra, a